25 janvier 2015, Voltigeur de Myrte conclut deuxième du prix d'Amérique au Podo. Une médaille d'argent à la saveur de l'or pour l'équipe Donati, leur Voltigeur a pris son envol. Que de chemin parcouru par ce trotteur entraîné au cœur de la Mayenne par Roberto Donati, italien d'origine, et venu en France pour le cœur. Aux côtés de son épouse Anne-Françoise, il façonne la carrière de son champion dont les derniers mois n'ont pas été à la hauteur de ses espérances. Une baisse de régime, toute pardonnée. Le cheval est toujours là. C'est un cheval qui, comme tous les athlètes, de temps en temps, ils ont des basses de forme, des problèmes physiques, mais il revient tout le temps. Il revient toujours, il n'y a pas de souci. À son âge, il est au maximum de la forme. Il y a les 4B en préparation de l'Amérique, qui est l'objectif final, évidemment. C'est un des meilleurs chevaux de France. Forcément, il a le droit de bien figurer dans le meeting d'hiver. Et grande nouveauté pour cette campagne 2016-2017, le driver sera lui aussi maison. Lorenzo Donati, le fils, a été désigné pour prendre les rênes de Voltigeur. Même si mon fils est très jeune, il connaît très bien le cheval, je vais lui donner une chance. C'est donc en famille que les Donati s'apprêtent à se lancer dans l'aventure des Epic Series en piste. Dès la première étape, le Grand Prix de Bretagne.